abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si nerveuse? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Mais je vais très bien. Pourquoi est-ce que tu as crié comme ça? J'ai crié parce que j'ai glissé dans l'escalier. Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je ne me suis pas fait mal. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes toujours autant? Tiens, voilà le bracelet. Le soleil s'est couché. Je ne peux pas attacher ce bracelet maintenant. Un jour de plus s'est écoulé. Quoi qu'il arrive, je devrais attacher ce bracelet au poignet d'Harry avant que ne surviennent d'autres problèmes. Mais enfin, Madou, qu'est-ce qui te prend? Tu ne veux pas porter ce bracelet? Non, pas maintenant. On doit partir, allons-y. Je l'ai toujours su. Elle ne sait rien faire correctement. Mais j'avais pensé à quelque chose. Quoi qu'il puisse arriver, tu sais, je ne l'aurais pas laissé entraver ou retarder la cérémonie religieuse. Mais même ça, elle n'a pas réussi à le faire. Eh oui, ça s'écrit. Elle s'est excusée, et puis elle s'est éclipsée. Tu as fait le mauvais choix, Shri. Lorsque tu as réglé le réveil à 6h du matin. Je vais te dire une chose. Tout le village s'est moqué de toi. On a dû commencer la cérémonie religieuse en retard. Et tout ça à cause de ta fille. C'est la première fois en 20 ans que ça arrive. Nous allons être punis pour tout cela. Nous avons commis une grave erreur. Nous avons provoqué Shiva. Et si Shiva décidait de punir notre famille à cause d'elle? Qu'est-ce qui va nous arriver? Shobha, écoute, tu ne dois pas t'en faire. Le Seigneur Shiva ne sera pas en colère contre ma fille, crois-moi. Je suis sûr qu'il ne laissera jamais personne faire du mal à notre famille ou à Shri. Selon la prédiction du devin, il va falloir trouver la fille qui devra épouser Harry, dans les 16 jours. Et qu'en sera-t-il des problèmes qu'elle devra affronter pour le reste de sa vie? Je ferai en sorte de réussir dans l'accomplissement de ma tâche. Pour le bonheur de ma famille et de ma future belle-sœur. Dis-moi, Shotu, est-ce que c'est trop lourd? Garde-le.
Et ce matelas, elle exagère vraiment. Narottam, qu'en sera-t-il de son futur? Rien ne se passera dans les normes tant qu'elle n'arrêtera pas d'avoir peur de tout. Regarde-le. Il se moque. Il se moque de cette pauvre fille. Narottam, si tu en as assez, emmène-la voir, la vieille femme folle. Elle la transformera en brave fille. En un claquement de doigts, elle la changera, Narottam. Je te dis cela uniquement pour son bien. Shoba, chérie. Ce n'est qu'une enfant. Elle a grandi sans sa mère. Et je l'ai élevée dans l'amour. Et je me souviens qu'elle était très jeune. Lorsque sa mère a été victime de l'accident. Un horrible accident. Et cela a déclenché ses peurs en elle. Alors Shoba, lorsque j'y repense, à cet accident, j'ai des sueurs froides. Comprends que ce n'est qu'une toute jeune fille. Cela dit, tu as raison, il va bien falloir lui faire surmonter ses peurs. Je vais l'emmener voir la vieille femme demain. Et cela l'aidera à affronter ces épreuves que le destin lui a réservées.
Ce bracelet... Jette-le, sinon... Attends, je n'ai pas encore terminé. Tu veux qu'Harry se marie, n'est-ce pas? N'y songe même pas. Jamais je ne le laisserai se marier. Peu importe l'énergie que tu lui consacreras, je ne laisserai pas ça arriver. Jamais. 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 Mais dites-moi, pourquoi est-ce que ce foulard vous inquiète autant? Il provient sûrement de la maison de Madame Joshi. La plupart de ses affaires finissent dans notre maison. Vous avez raison. Et puis, il est magnifique ce foulard. Si j'en avais un comme celui-ci, eh bien j'en aurais fait un sari pour Nikki. Très drôle, ma tante. Je ne porte que des saris de grands couturiers. Je vous propose quelque chose. Nous allons appeler Harry et lui demander d'où il tient ce foulard. Harry ? Ça doit faire partie de son plan. Il a dû se rendre compte que personne n'a prêté attention à ses paroles hier. Alors il fait semblant une fois de plus.
Allons chercher Harry, qu'on lui donne une leçon. Allons-y. Vous pourrez faire cela plus tard. Prenez d'abord votre petit déjeuner. Ginia, sers-nous le petit déjeuner, s'il te plaît. Vous savez, il paraît que rien n'est aussi important que de manger. Allons-y, allons-y. Tu veux qu'Harry se marie, n'est-ce pas? N'y songe même pas. Jamais je ne laisserai se marier. Peu importe l'énergie que tu lui consacreras, je ne laisserai pas ça arriver. Jamais. Jamais. Avant que d'autres problèmes ne surviennent, il va falloir que je lui fasse porter ce bracelet. Et encore une chose. Jusqu'à ce que tu trouves la fille qui protégera Harry et ta famille en mettant sa vie en jeu, ce bracelet protégera Harry. Et tout se passera pour le mieux. Mais si tu ne lui fais pas porter ce bracelet, le malheur s'abattra sur Harry et sur ta famille. Est-ce que quelqu'un a vu Harry? Madou, Harry est ton animal domestique. Tu devrais savoir où il est. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu depuis ce matin. Dis-moi, est-ce que tu as vu Harry? Il ne doit pas être loin. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Je me demande où il peut être. Pourquoi? Non, pour rien. Demande à Daya. Daya, viens ici. Dites-moi tout, madame. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as vu Harry quelque part? Pas pour le moment, mais je l'ai vu récemment. Et quand? Hier? Non, non. Alors avant-hier? Ce matin. Il est parti avec sa... Sa Jeep? Oui, sa Jeep. Sa Jeep? Et aussi... Il a laissé cette lettre. Elle est pour vous. Une minute. Très chère famille Raghuvanshi, je quitte cette maison. Quoi? Je quitte cette maison? Ne vous en faites pas. Je n'irai pas très loin. Je me rends à Janakpur. Je pars pendant 10 jours, ce n'est pas pour toujours. Je ne peux pas m'éloigner de vous tous pendant plus de 10 jours. Et je pense qu'il en va de même pour vous. Je sais que tout le monde s'inquiète à cause de moi. Alors je vous dis d'arrêter de vous préoccuper de moi. Lorsque le bon moment se présentera, je me marierai. Vous ne devez donc pas vous préoccuper. Mais que veut dire cette lettre? Je sais que cela vous accordera à tous un peu de répit si je pars loin de vous quelques jours. Voilà pourquoi je m'en vais. Harry est parti pour de bon. Ah. Montre-moi ça. Comment peut-il partir ainsi? Il ne nous a rien dit, c'est écœurant. Fais-moi voir ça. Ah, c'est pour ça qu'il m'a demandé l'adresse et les détails du projet. Il m'a emprunté 500 000 roupies. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu lui as donné tout cet argent? Je n'ai jamais exigé de raison à personne. Vous l'avez tous beaucoup trop protégé. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Il est parti à Janakpur sans rien nous dire. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant, Soumati? Il nous a laissé une lettre. Il a aussi précisé la raison.
Et ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'en a pas du tout parlé à Madou cette fois-ci, ce qui est étrange, vous ne trouvez pas? Comment se fait-il que Madou ne soit pas au courant? Tu lui as pourtant bien toujours fait ses valises à chaque voyage qu'il faisait. Qui lui a fait ses valises cette fois-ci? Cette fois-ci, l'oncle Harry a fait ses bagages tout seul. Il exagère. Ne le laisse pas sortir sans lui faire porter le bracelet. Fais en sorte que le bracelet soit à son poignet à chacune de ses sorties. Tu sais, Harry, j'ai vu des gens qui font la fête quand ils sont sur le point de se marier. Mais toi, on dirait que tu essaies d'éviter de te marier. On verra quand ta famille à toi s'acharnera à fixer la date de ton mariage. Ah, je voudrais bien que ça arrive, moi. Pourtant, je les ai mis sur la piste, tu sais, mais personne ne semble comprendre. Ma famille à moi ne s'occupe que d'une chose, et bien c'est mon mariage. Ils comprennent pas que je ne veux pas me marier. Je veux prouver ce que je vaux d'abord. Je veux réussir dans la vie. Et ensuite, je me marierai. Hein, Harry? Mais d'où sort ce bruit, là? D'où sort ce bruit de lion? Quoi, il y a un lion ici? Mais oui, c'est un lion qui rugit, c'est ma sonnerie de téléphone. Ah! Harry, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu parti sans nous en informer? Tu ne savais pas que tout le monde s'inquiéterait pour toi? J'ai écrit cette lettre justement pour que personne ne s'inquiète. Et puis, je pars pas pour toujours, enfin. C'est juste un voyage d'une dizaine de jours. Ensuite, je reviendrai et je présenterai mes excuses à tout le monde. C'est d'accord? Harry, il y a un très gros problème. Je voulais te faire porter le bracelet que m'avait donné le devin. Il a dit que tu ne devais à aucun prix partir sans le bracelet. Fais-moi plaisir. Rentre tout de suite à la maison. Laisse-moi te passer ce bracelet, et ensuite tu pourras partir. Je t'en prie, Madou, recommence pas avec ça, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Il n'arrivera rien à ton beau-frère, voyons. Harry, arrête! Ne me parle pas comme ça. Je t'en prie, rentre! C'est pas possible, je suis trop loin de la maison, maintenant. D'accord. J'enverrai le talisman au bureau de poste de Janakpur. Porte-le dès que tu le reçois. Et souviens-toi, tu dois le porter avant le coucher du soleil. Écoute... Ne refuse pas. Tiens compte de mes paroles. J'insiste. Madou, allons, s'il te plaît. N'insiste pas. Tu dois m'écouter. Je sais que tu ne refuseras pas de m'écouter. Tu es mon petit garçon obéissant, pas vrai? Très bien, je ferai ce que tu me demandes. Je mettrai le bracelet. Alors maintenant, je raccroche. Je vais me faire arrêter par la police si je continue à te parler au téléphone en conduisant. Allez, au revoir, je t'aime. Salut. Hé, s'il te plaît, conduis plus lentement, Harry. Tu m'as promis que tu conduirais lentement, Harry. Tu me l'avais promis, tu t'en souviens? Ça me fait peur. S'il te plaît, ralentis. Hé, regarde là-bas, arrête-toi. Arrête, stop. Narottam, emmène-la voir la vieille femme folle. Elle la transformera en une jeune fille décente en un claquement de doigts. Cela dit, je pense que tu as raison. Je l'emmènerai voir la vieille femme dès demain. Cela lui permettra d'affronter les épreuves que le destin lui a réservées. Daya, je prie le Seigneur pour que tout se passe bien. Je suis effrayée à cause de tous les incidents qui se sont passés ici, qui se sont produits dans cette maison. J'ai très peur pour Harry, et aussi pour ma famille. Ne vous en faites pas, madame. Tout va bien se passer. Tout se déroulera selon votre volonté. Le coursier trouvera sûrement Harry, et tout se passera pour le mieux. On doit souvent affronter de grosses difficultés pour résoudre les gros problèmes.
Et après tout, c'est bien cela le plus important. J'espère vraiment que Harry recevra vite le bracelet que je lui ai fait envoyer. Un homme très riche du nom de Harry Raghuvanshi va venir, depuis Bombay. Il veut construire un centre commercial à Janakpur. Mais malheureusement, il souhaite le construire sur les terres qui constituent le temple. Alors quelle sera notre prochaine étape, monsieur? Je pense qu'il va falloir renforcer notre position. J'ai pensé que dans cette situation, le mieux pour nous serait de l'accueillir chaleureusement. Ainsi, notre hospitalité l'obligera peut-être à modifier sa décision de construire ce centre commercial sur ce terrain. Nous sommes bien d'accord avec vous. Alors nous vous soutenons tous. Il faut décorer le village pour souhaiter la bienvenue à Harry. Allons-y. Narottam, réfléchis bien. Écoute ce que je te dis. Oublie le bien-être de ce village. Ah, Shoba, c'est toi qui ne réfléchis pas quand tu parles. Nous allons voir cette vieille femme dont tu m'as parlé tout à l'heure. Dis à cette vieille folle d'essayer de l'aider à se débarrasser de toutes ses peurs. Allez, écoute-moi. Ne te comporte pas comme une petite sotte devant elle. Sinon, cette vieille folle risque de se fâcher. Papa! Allez, viens par ici, ma fille. Le beau et jeune marié chevauche sa monture. Il est chargé d'or. C'est à toi que je parle. Retire tes vêtements de mariée. De nombreux problèmes dans la vie de votre fille. Aujourd'hui tout va bien, mais demain quelque chose va arriver dans le futur. Je me demande pourquoi je sens que sa vie va prendre bientôt un étrange tournant. Mais avant ça, pars. Va-t'en. 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 Papa. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. On y va.
Monsieur! Elle aura de gros ennuis. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Incroyable, cette vieille démente est vraiment incroyable. C'est Shoba qui a pensé que cette femme pourrait t'aider à te débarrasser de tes peurs. Et en suivant, eh bien, les conseils de Shoba, je suis venu lui demander de l'aide. Chérie? Oui, papa. Ça ne me dérange pas lorsque la famille se moque de toi. Mais lorsque les gens du village se rient de toi en te voyant si effrayé, je suis mal à l'aise. Comment leur faire comprendre? Que ma petite fille n'est pas une poule mouillée. Non, Shri, tu n'es pas une trouillarde. Absolument pas. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça un peu. Oui, j'irai dans la forêt. Et je ramènerai le matériel de prière. Quoi? Shri va aller dans la forêt? Pour les objets sacrés. Je ne t'ai pas entendu, répète un peu. Elle a dit qu'elle allait se rendre dans la forêt. Et elle ira seule. Narottam, elle a peur d'aller toute seule dans la salle de bain. Comment peut-elle aller dans la forêt? Je pense que pendant votre voyage de retour, elle a trop marché sous le soleil. Elle est fatiguée, elle raconte n'importe quoi. Chotu, mets-lui une compresse humide sur la tête. Bien sûr. Je n'en ai pas besoin. Mais Shri, attends. Oui, j'irai dans la forêt. Mais enfin, Shri, qui va t'accompagner dans la forêt? Personne. Quoi? Attends, Shri, attends. Tu sais, c'est dangereux d'aller dans la forêt. Tais-toi. Pourquoi tu interfères, hein? Elle parle raisonnablement pour la première fois. Pourquoi tu veux lui faire peur? Ne t'inquiète pas. Surtout ne t'inquiète pas. Va dans la forêt. Shri, tu ne dois pas l'écouter. Va dans la forêt toute seule. Mais ma tante, comment pouvez-vous la laisser? Tais-toi. Tu m'entends? Pourquoi tu veux la dissuader, hein? Va dans la forêt. Oui, j'irai dans la forêt. Comme ça, plus personne ne se moquera plus de mon père. S'il te plaît, je t'en prie, ralentis! Regarde là, arrête-toi, arrête! Stop! Stop! Hey, qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux qu'on arrive si tu t'arrêtes tout le temps? Tu veux aller à Janakpur? Oublie Janakpur, s'il te plaît. Si tu continues à conduire à cette vitesse, Harry, on va sûrement mourir. Ne rigole pas. T'es vraiment un trouillard. L'existence, c'est plein de sensations fortes. La vie, ça n'a pas de sens si tu la vis pas avec courage. Tu crois? Il faut vivre sa vie au maximum. Tu comprends? Tu n'as pas un pressentiment? Quoi? J'ai eu l'impression que quelqu'un est entré et s'est assis sur le siège arrière de la voiture. Évidemment, il y a un fantôme là derrière. Arrête ça, trouillard! Est-ce que tu veux qu'on arrive ou pas? Alors arrête toutes ces idioties. Alors maintenant j'appuie sur champignon et on traverse la forêt. Ça va être super excitant, tu vas voir. Yeah! Va tranquillement, tu ne dois pas avoir peur. Mais, d'accord? Mais Shri va avoir des problèmes dans la forêt, arrête, c'est sûr. Arrête d'interférer. C'est une brave fille. Elle n'est pas assez forte. N'est-ce pas? Monsieur, où allez-vous? Shri se rend toute seule dans la forêt pour y prélever les objets sacrés. Vraiment? Eh bien, vous pouvez oublier les objets sacrés. Elle reviendra avant d'avoir fait la moitié du chemin.
Ne t'en fais pas pour moi. Je ne ferai pas ça. Aujourd'hui, ta fille Shri ira seule dans la forêt. Et ramènera les matériaux sacrés. Et lorsque je reviendrai, plus jamais personne ne se moquera de moi. Il ne lui arrivera rien, crois-moi. Ne t'en fais pas. Tu sais, Shri, je pense que tu aurais quand même dû attendre l'arrivée de l'entrepreneur. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tout de même, Shri, fais attention, ok? Quand tu seras dans les bois... Oh, ça me rappelle, il y a le fantôme, Papou. Quoi, Papou? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rien, Shri, plaisante, enfin. Tais-toi, Chotu. Pourquoi est-ce que tu lui fais peur comme ça pour rien? Tu ne sais donc pas qu'à rien l'effraie? Allez, va-t'en maintenant. Shri, fais attention. Tu sais, Papou est un fantôme très puissant qui a la couleur de la boue. Et lorsqu'il marche, c'est la terre qui tremble et le ciel vibre aussi. Et aussi son corps fond continuellement, comme ça. Et s'il aperçoit quelqu'un, eh bien, il lui causera à jamais des ennuis. Je t'ai dit de partir. Fais tu n'arrêtes pas de la troubler. Allez, bonne attention. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'as pas peur. Non, non, je n'ai pas peur du tout. Je suis très courageuse, oui. Je l'ai promis à papa. J'irai toute seule dans la forêt et je n'aurai pas peur du tout. Je vous en prie, aidez-moi, Seigneur Hanuman. Victoire au Seigneur Hanuman, océan de sagesse. Victoire au Seigneur des singes. On te connaît sous le nom d'Anranputra comme le fils du vent. Tu es vaillant et courageux, comme l'éclair. Ton physique a la couleur de l'or. Tu portes des boucles d'oreilles. Maman, Damini, j'ai trouvé la fille. Madou, j'ai trouvé quelqu'un pour Harry. On a déjà trouvé beaucoup de filles jusqu'ici, mais jamais il n'a réussi à se marier. Je sais, Dani. Mais aucune n'était aussi bien que cette fille. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Tout ce qui se rapporte à elle est spécial. Vraiment? Raconte-moi. Dani, cette fille est très belle. Elle est pleine de qualités et vient d'une famille respectable. Mais la chose la plus importante, c'est que nous l'avons tous rencontrée. Harry la connaît également depuis très longtemps. Est-ce qu'Harry a choisi cette fille? Non, mais il lui faudra l'aimer. Il donnera son accord dès qu'il saura qu'il s'agit d'elle. Et est-ce que tu pourras nous donner son nom quand tu auras fini d'en faire l'éloge? Rajni. Rajni? Ta propre sœur? Ma belle-sœur? Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une idée splendide? Ton frère et ma sœur, Harry et Rajni. Est-ce que cet arrangement convient à tout le monde? Mais enfin, que veux-tu que je te dise? J'aime beaucoup cette idée. Rajni a toutes les qualités que nous recherchons pour l'épouse de Harry. N'est-ce pas? Et puis surtout, Rajni est une jeune fille moderne. Elle est aussi téméraire. Je pense que les paroles du devin se réaliseront. Le mariage aura lieu dans 16 jours. Allô? Allô, madame. Le colis que vous avez expédié pour Harry Raghuvanshi, il a été égaré. Nous sommes navrés pour cet incident, mais l'assurance prendra en charge le dédommagement de votre colis. Comment? Il n'a pas porté le bracelet. Alors il est temps de prendre une décision.
Il va falloir que tu décides si le mariage d'Harry est plus important que la vie d'une jeune fille innocente. Il va falloir que tu prennes vite cette décision avant que des problèmes n'arrivent à tout le monde. Shri, pourquoi est-ce que tu as peur? Tu ne te souviens pas? Eh bien, la forêt, aïe, c'est comme ta maison. Tu es déjà allé des tas de fois dans la forêt pour jouer. Tu ne dois pas avoir peur, je suis avec toi. Tu sais que je n'ai pas peur, je n'ai peur de personne. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé avec Kanva? Tous les villageois étaient venus me chercher pour que je les aide à se débarrasser du fantôme, tu te souviens? Et alors je l'ai fait. Et je n'ai pas eu peur, je les ai aidés à se débarrasser de ce fantôme sans aucun problème. Je l'ai fait, en un clin d'œil, comme ça. Victoire au Seigneur Hanuman, océan de sagesse et de vertu. Victoire au Seigneur bien connu dans les trois mondes. Et depuis ce jour, tout le monde te connaît. Il faut leur montrer que je ne suis pas une peureuse. Je suis une fille courageuse, voilà. Vous entendez tous? Je n'ai peur de personne. Voilà, je n'ai peur de personne. Et mon père sera fier de moi. Ah! Qui est là? Qui est là? Oh Seigneur mon Dieu, aidez-moi. Je vous en supplie, ne me laissez pas seule. Seigneur Shiva, je vous en supplie. Restez avec moi, s'il vous plaît. Descends et ouvre le capot, ouvre le capot! Non mais t'avais pas fait le plein d'eau? J'étais censé mettre de l'eau là-dedans? Ta Jeep tombe toujours en panne. Tu conduisais trop vite. Les voilà les sensations. Ah, ne touche pas à ça, bon sang. L'aventure n'est pas terminée. Attends-moi ici, je vais chercher de l'eau. D'accord, mais fais vite. Bien sûr. Sois prudent! T'inquiète pas! Je n'ai peur de personne, oui. Je n'ai pas peur du tout. J'ai une épée. Ah, je n'en ai pas. Un fusil. Même pas ça. Un couteau. Je n'ai même pas de couteau. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur pour autant. Oui, mais enfin, je... Mais j'ai ça avec moi.
DSMB. Hey. Papa, sautu, au secours, au secours, Seigneur animal, je vous en prie, protégez-moi. Papa, il y a un lion, sautu, papa. Papou est un fantôme qui a la couleur de la boue. S'il voit quelqu'un, il lui causera jamais des ennuis. Et ça pour toujours. Papou, le fantôme. Cours. Cours. Au secours. Hé. Hé. Hé, oh. Au secours. Au secours. Hé, arrête. Papou, Papou, le fantôme me poursuit, il est juste derrière moi, au secours. Mais, oui. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Allez, va-t'en, maintenant, allez, va-t'en. Va-t'en. Chef, au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Papou, le fantôme, dans la forêt. Il est là, oui. Au secours. Ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai, cours. Dis-moi ce qui s'est passé, ma sœur. Arrête ça, arrête de courir. Je t'ai dit d'arrêter. Dis-moi ce qui s'est passé. Il est dans la forêt. Hein? Qui? Il est dans la forêt. Qu'est-ce que tu racontes là? Papou, le fantôme. Mais tu as peur sans raison. Il n'y a aucun fantôme appelé Papou, enfin. Si, il y en a un. Non. Tu me l'avais dit. C'était une plaisanterie, voilà. Le fantôme Papou n'existe pas. Mais ne mens pas, Chotu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire quoi? Papou. Papou, le fantôme, le fantôme. Mais enfin, Shri, arrête de dire n'importe quoi, il n'y a pas de... Ah! Chotu! Chotu! Au secours! Au secours! À l'aide! Attendez, je vais vous expliquer! C'est pas ce que vous croyez! Écoutez, écoutez, monsieur, je crois qu'il y a un malentendu. Laissez-le! Vous vous trompez! C'est mon ami, laissez-le! Je veux pas lui faire du mal! C'est mon ami Harry! बस तेरे लम्हे गुजारूं।
ことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。確かに、言われてみればママの言う通り。ああ、いっぺんでいいから、じゃんじゃん釣ってみたいな。みたいよね。そうだ！あれもあったんだっけ？あれって？ああ？お座敷釣り針！なにそれ？団地の裏の川は東へ800メートルほど。もうちょっと南かな。あ、髪が水みたいになった。川がこの部屋に来たんだよ。川が来たって。わー、釣り竿持ってくよーって。川へ行っちゃダメよ。行かないよ、ご心配なく。ならいいけど。ダメって言ってるでしょ。行かないよ。機械で来るんだよ。え？さあ、いっぱい釣るぞ。You thought Taylor was from? I mean, she might be from Hawaii, but I think she's a Singaporean person. I remember reading on IP2, she was like, I'm the most popular Singaporean, and I was like, eee, competitive much, eh? Competitive much. The chicks were hot? No. The chicks were okay. You know what though? Lieutenant Dan, I think the chicks got hotter as I went to each next country. You know what I'm saying? Oh, sorry. Where are you going? I don't know. Hold on. Let me go grab the menu. Yeah, let's get a menu. Goof guy is the goof. Rent free? Shh. Shitty, if you want to know, check out the rent free place. Yes. Oh, shit. Whoa, Andy's setup is so different than my setup. How can you even read this shit? It's so tiny. Those tenders look freaking bomb.
The tenders are okay, but what you really need to get... No, they're good. They're good. The tenders are good, but the best one is the wing. What wing? The wing plate? Like this wing shit. All right, let me show you guys. Wait, where are we right now? What is this? Kokoyo. Okay, we're at Kokoyo here in Koreatown, Los Angeles. Olympic and something. Crenshaw, I believe. Now, let's see. We got fried chicken sandwiches for $12.50. Grilled chicken sandwiches for $12.50 and wing plates $11.50. Different kinds: Kokoyo original, soy garlic, Korean traditional, honey crunch. Oh my God, they got red hot crunch. I'm guessing that's red hot Cheeto. Yeah, that sounds pretty good. And they got different sides. They got crispy cocoa tenders, corn salad, original wings, kimchi slaw, mixed fries, kale and broccoli. We're not getting that at all. Creamy kimchi fries and mandarin salsa. Now, if you guys see anything on this menu that you would like us to try, we'll try it. Donation link is down at the bottom. Yeah, there has to be a little something there. Yeah. Well, look. Level 1 makes this $12 chicken sandwich. Here's the thing. I'm guessing these chicken patties. Look at the picture, man. Look at how fat that looks. I think that's about normal price for Los Angeles, man. Sandwich is just okay. Okay, then we're not gonna get a sandwich. But the wings are really where it's at. And the tenders are good, too. There's only 6 pieces per wing plate, and that's 11. Can we get, like, a sampler one? Maybe we can... Hey, what up, Crazy Beast? Maybe dude, we soy can finagle a sampler. Wing plates plus all of the sides. Alright, that chicken patty better come with a line of cocaine in it. Don't worry, we can always add that. But Goof Guy's a police officer! Wait, what are we doing? Can we get, like, wing sampler? Don't they have, like, sampler sides, too? They have a sampler. Wait, they want all... Goof suggests we get all of the sides. Oh, they have creamy kimchi sides. I read that already! Oh, and they have a mixed fries, too. Ask for sample first. All right, I'm going to go ask for a sample. Sample? Sample of what? I don't know. We're going to go. We're going to go in order. Kokoyo! Kokoyo. Wait, how do you pronounce it? What's the best way? Kokoyo. Kokoyo. Yeah, yeah. Twitch stream. Twitch stream. You don't mind, right? You want to say hello? You like to say hello to my Twitch stream? Hey, no? We have matching... Dude, you almost kicked her in the butt. Her head is matched my pants. Nobody cares. Say kumasta to my... Kababayan. Kumasta, says John. Kumasta to Gamer my pool. Kababayan. Oh, Jesus. What up, Jamie Kin? How you doing? It's you don't police Twitch? Goof Guy. That's because you know it's not in your jurisdiction. Dude, the minute I step foot in Singapore, he's going to put handcuffs on me. Who can eat a dozen wings of fast? Ooh, should we compete? Why should we compete? Yeah, we should just enjoy, just man. Enjoy our food. We should just enjoy it. We don't win anything. Only you guys win. Watching us in pain. True. True. You don't win anything. Did you know there's a wingless chicken farm in Iowa that saves chickens from being further used for food? Just the wings. What? No way. That. Don't they use the legs? We'll ask. Once these guys finish ordering, it'll take forever. Call Nest. Dude, tell Nest he can come and join us. He's a little far though. Order in Korean? Order it? Who said that? Jimmy Opa says order in Korean. Why would I order in Korean? They speak English. Also, the menu items are in English. There's no Korean on there for me to read. Okay, we'll get a kimchi creamy french fry.